Tu prends trois grandes respirations et tu te dis le mot calme à l'intérieur de toi. Tu prends la première respiration, tu remplis au maximum tes poumons. Puis tu gardes l'air quelques secondes et tu la relâches. Tu fais ça trois fois. Tu peux même imaginer que l'air que tu souffles est un peu plus noir parce que toute l'angoisse, le stress qui est dans ton système va partir avec cet air. Maintenant, tu fermes les yeux et tu t'installes confortablement. Et membre par membre, on va détendre tout ton corps. Enlever toute trace de stress pour te permettre que ton inconscient s'ouvre à de nouvelles possibilités. Alors, tu détends tes pieds. Tu enlèves toutes les tensions. Un peu comme si tu avais marché pendant des kilomètres et des kilomètres dans des chaussures trop petites. Et je te demande de les enlever. Et tu laisses cette détente monter dans tes mollets, passant par tes chevilles. Et tu détends les muscles de tes mollets. Puis tes genoux se détendent. Permets maintenant tes cuisses de se relâcher. Et porte attention sur tes deux jambes, si toutes les parties sont aussi bien détendues l'une que l'autre. Et permets aux parties moins bien détendues d'aller encore plus profondément dans cette détente, dans cette relaxation musculaire. Permets maintenant tes hanches de se relâcher le milieu de ton corps, ce qui relie le haut du bas, se détend. Puis ton ventre se relâche, tes abdominaux s'endorment, et tu peux même imaginer que l'angoisse et le stress qui est souvent logé dans notre ventre s'échappe par un petit trou dans ton nombril et ainsi tout le stress et l'angoisse qui reste coincé dans ton ventre s'envole loin de toi de plus en plus. Et imagine que de ta pensée, tu as le pouvoir de détendre tous tes organes internes. Imagine que tu es capable de détendre ton cœur pour qu'il batte juste peu moins vite, que tu peux détendre tes poumons pour qu'ils accueillent l'air. Chaque nouvelle molécule qui entre dans ton corps se transforme à l'intérieur de tes poumons et te permet d'avoir une meilleure santé. Permettre à ton estomac de se détendre pour que la nourriture qui y entre soit plus performante dans ton système, ainsi que tout le restant de tes organes à l'intérieur de ton ventre se détend, ton côlon, ton foie, tes reins, tout se détend simplement par la magie de ta pensée. Puis tu laisses traverser tout ton corps de cette détente et dans ton dos, tout se détend. Tout le long de la colonne vertébrale, les nerfs, les muscles se relâchent, se détendent. Tu peux commencer à ressentir comme une lourdeur dans ton corps parce que tu es détendu, parce que tu es bien. Et cette détente continue de faire son effet, d'être de plus en plus détendu, relaxé. Permets maintenant tes épaules de se détendre, puis tes bras, de tes épaules jusqu'au bout de tes doigts. Tout se détend facilement, agréablement.
Puis tu détends ton cou, ta tête, ton visage. Les muscles de ton front se détendent. Tes yeux sont si lourds, pesants, qu'il t'est difficile de les ouvrir. Ta bouche, tes joues, ton menton, tout se détend et continue de se détendre. Et bientôt, je vais compter de 30 à 0. Et à 0, ton corps sera si détendu que ton inconscient sera ouvert, prêt à accepter mes suggestions, mes paroles. Et chaque chiffre que je vais nommer t'amène une détente de plus en plus profonde. Tu n'as absolument rien à faire que d'écouter ma voix. Ton corps va se détendre et va t'amener dans l'état d'hypnose, un état naturel, un état de bien-être, de calme profond. Donc, chaque chiffre que je vais nommer t'amène à l'intérieur de toi, de plus en plus profondément. Tu pourras entendre tous les bruits autour, mais aucun de ces bruits ne peut te faire sortir de l'état auquel tu es. Tu te concentres sur le son de ma voix, et mes paroles s'adressent directement à ton inconscient. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce que je te dis. Ton inconscient va m'écouter. Il va faire en sorte que toutes mes paroles vont devenir ta réalité. Tu n'as absolument rien à faire que de te détendre. Tu peux même penser à ce que tu veux. Cela n'a pas d'importance. Alors, je commence à compter. Tu te laisses complètement aller, totalement. 30. 26.
21.
Et zéro. Tu es maintenant bien détendu, suffisamment détendu pour que toutes mes paroles deviennent ta réalité, créer des changements durables, faciles et agréables, sans que même tu te rendes compte de tous ces changements. Tu te laisses simplement aller. Aujourd'hui, je vous invite à vous donner la permission d'être humain, soit d'accepter de ressentir le bon et le moins bon. Parce que refuser d'éprouver des émotions négatives reviendrait à amputer votre propre capacité de perception. Alors, laissez-vous vivre vos émotions. Et les laisser vivre, c'est accepter la pesanteur. Et vous verrez, on vit finalement très bien avec. Ton imagination. Tu vas imaginer, visualiser qu'il y a plein de bulles autour de toi, des bulles de toutes sortes de couleurs. Chaque bulle représente quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse. Alors je t'invite à crever chaque bulle et ainsi tu vas te libérer du stress que la bulle symbolise. Chaque bulle, tu la perces, tu l'élimines, et ainsi, petit à petit, tu vas éliminer tout ce qui peut te stresser, t'angoisser. Et pose-toi cette question. Pourquoi telle couleur est reliée à tel stress? Parce que ces bulles ont des couleurs particulières. Très bien. Maintenant, que tout ton stress, que ces bulles sont tous pétées, imagine que de ta bouche sortent de nouvelles bulles. Parce que oui, il te reste encore du stress à l'intérieur. Tu as détruit le stress qui t'entourait. Maintenant, tu vas détruire le stress qui est en toi. Et chaque bulle que ton corps produit, tu le pètes aussi. Tu l'élimines. Donc, tout le stress qui était autour de toi et en toi va diminuer aujourd'hui. Parce que tu as pris quelque temps pour y penser, pour te concentrer à éliminer ton stress, pour passer une meilleure journée. Car aujourd'hui, tes pensées seront positives, calmes. Et tu vas te sentir bien, détendu, avec une confiance en toi.
peux garder les yeux fermés ou les garder ouverts, cela n'a pas d'importance. J'aimerais que tu bouges tes yeux de droite à gauche 3 fois. Très bien. Maintenant, de gauche à droite 4 fois. Très bien. Si tes yeux étaient ouverts, tu peux maintenant les fermer. J'aimerais que tu imagines que ta douleur chronique ait une forme et une couleur. Quelle forme et quelle couleur symbolisent cette douleur chronique? Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu transformes la forme et que tu changes sa couleur. Mais cela représente toujours cette douleur chronique. Et parce que tu la manipules, tu changes sa forme, sa couleur. La douleur devrait s'atténuer, peut-être même disparaître. Maintenant, regarde bien cette nouvelle forme, cette nouvelle couleur. Et que ressens-tu à cet endroit qui t'est douloureux? Et si cette douleur est encore là, je t'invite à ce que cette forme et cette couleur disparaissent tranquillement, deviennent transparents. Et en même temps, la douleur va diminuer, disparaître. Tu visites la bonne aventure et tu vas créer le futur que tu désires pour changer les choses. Que ce soit une perte de poids, un arrêt de fumer ou toute autre dépendance. Quelque chose que tu veux arrêter ou que tu veux commencer, comme faire plus de sport. Peu importe quel est ton objectif futur, imagine déjà le résultat qui est un succès. Tu imagines ce futur tel qu'il veut qu'il soit, le plus parfaitement possible. Tu vois ce futur comme dans une boule de cristal. Tu imagines chaque aspect de ce que tu veux qui se réalise, se réaliser. Vois dans ton futur tous les détails qui font en sorte que tu réussiras. Et dans ce futur, regarde tout le chemin que tu as dû entreprendre pour en arriver là. Le futur se crée par nos pensées. Nos pensées qui nous font agir de telle ou telle façon. Alors c'est à toi de créer le futur que tu désires. Peu importe ton projet, ta décision. Parce que tu imagines des résultats positifs, tu es plus près des résultats positifs. Tu te rapproches de jour en jour et chaque petit effort, c'est un grand pas. Par la réussite. Tu restes positif et tu focuses sur les résultats futurs que tu désires. Et sois-en convaincu. Garde ton objectif en tête. Ce futur si parfait, ce futur que tu désires, se réalisera parce qu'elle est dans tes pensées et tes pensées sur la création de ta vie, de ce qui se passe,
des décisions que tu veux prendre. Ce futur peut commencer maintenant avec certaines décisions, certaines façons d'agir. Répète les phrases après moi. Tu peux le répéter à voix haute ou à voix basse. Il est bien que je m'amuse et me réjouisse, et je le fais. J'aime faire ce qui me permet de me sentir bien. Je suis toujours profondément détendue et équilibrée. Je ressens désormais une paix et une sérénité intérieure profonde. Je suis heureux, je suis heureuse d'être au monde, car j'adore la vie. Fais de répéter ces phrases. Elles vont continuer à jouer dans mes pensées, dans ma tête, pendant une partie de la journée, peut-être même toute la journée. Quand mon attention sera ailleurs, ces paroles vont tourner en rond dans ma tête et vont prendre place dans la réalité. Bientôt, je vais compter jusqu'à 5 et à 5, tu pourras ouvrir les yeux et reprendre possession de ton corps. Toutes les suggestions, tout ce que j'ai pu dire devient ta propre réalité et ce, dès ton éveil. Et après ton éveil, tu vas te sentir bien, calme, sans douleur et mentalement calme, paisible. Alors, je vais bientôt compter jusqu'à 5 et à 5, tu reprends possession de ton corps ainsi que de toutes ses fonctions. Toutes mes paroles et toutes mes suggestions deviennent ta réalité. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux et reprendre ta journée.